Alors, on va voir qui est là. Donc, je vois Alice, Lola, Chantal, Elodie, Tristan, Matisse, Raoul, Colin, Lucas. C'est qui? Je vois Camille. Et c'est qui là? TBD, c'est qui? Je ne vois pas. C'est qui? Il y a Clémence, bonjour. Est-ce que je dis tous les prénoms de vous qui êtes là? Ouais. Il y a quelqu'un que je n'ai pas nommé? Maxime. Hmm? Maxime. Maxime est là? Non. Ah, donc Maxime n'est pas là. C'est okay. Un problème. Mais son numéro est correct. Plus tard, peut-être, on va vérifier. Si vous avez son numéro, vérifiez que c'est le numéro correct, en fait, qu'il a. Par contre, je comprends, c'est pas facile d'être tous au même instant, donc au moins les premières semaines. Donc, je registre aussi pour ceux qui ne sont pas là. Mais c'est mieux si on est là. Comme ça, maintenant, alors, mon idée, alors, bonjour à tous, déjà, merci pour être là. Donc, vous avez, donc, en fait, fatalité veut qu'on aurait dû commencer, en fait, la transformation des formules, vraiment la semaine passée. Et donc, en fait, on n'a pas pu les faire de façon présentielle, mais c'est, en fait, c'est un sujet qu'on peut faire aussi de façon, en fait, à distance. La clé pour ça, c'est vraiment que chacun travaille beaucoup et comprend, en fait, toutes les différentes étapes qu'on doit faire. OK? Donc, c'est pour ça que je vous remercie. La plupart de vous ont fait les devoirs la semaine passée, aussi cette semaine. Je n'ai pas eu encore le temps de regarder tout. Si quelqu'un m'a envoyé ce matin, en fait, c'était jusqu'à ce matin. C'est important, en fait, vraiment de travailler seul. Ce n'est pas important seulement pour les sujets en mathématiques, mais, en fait, c'est une énorme importance dans tous les autres sujets aussi. Donc, déjà en physique, l'année prochaine, c'est un prérequis, je compte que vous avez déjà le faire, mais aussi dans les autres matières, en fait, on aura de plus en plus besoin de savoir transformer des formules sans faire des erreurs. Et donc, c'est ça qu'on va apprendre maintenant. Donc, l'idée, vous avez vu, en fait, la clé de tout, c'est ces signes égaux. On veut absolument respecter l'égalité. Pour respecter l'égalité, on doit appliquer la même opération à gauche et à droite. Si on fait à même moment la même opération, le signe égal, l'égalité est respectée. Donc, il faut vraiment tout le temps penser à gauche et droite à faire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire selon les situations? Donc là, j'espère que vous avez aussi pour prendre note. Et comme ça, après, je vous laisse le temps pour faire. Maintenant, les premières, je les fais. Après, je vous donne le temps que vous les faites. Après, on va vérifier si vous faites. Alors, donc, j'ai regardé les exercices de ceux qui m'ont donné hier. Et donc, il y avait un peu de tout. Et j'ai un peu pris note, au fait, des formules qui ont mis en difficulté plus de personnes. Comme ça, d'abord, vu que le temps est limité, on va commencer par ces premières qui étaient plus difficiles. Et après, s'il y a d'autres questions, on peut aussi faire d'autres. OK? Alors, donc, et une chose importante, c'est comment on travaille. Donc, on travaille, au fait, on écrit, au fait, la formule, on tire une barre verticale et on écrit de l'autre côté ce qui est notre inconnu. Quand j'écris ici A, ça veut dire que j'ai un objectif précis. Arriver à la fin avec A à gauche égale à quelque chose à droite. Et je vais être sûre que dans tout ce schéma, l'égalité a été respectée. OK pour tous? Oui? Donc, j'ai la formule grand A égale 1/2 A fois C fois sin bêta et je cherche petit a. OK? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Mais la question à se poser, c'est je vais à la fin avoir A toute seule, et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est comme si je voulais la libérer de tous ses compagnons qu'elle a maintenant afin de l'avoir toute seule. Actuellement, vous voyez, A est divisé par 2. Donc, peut-être le bon réflexe, c'est commencer par dire je multiplie fois 2 à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que si je multiplie fois 2, j'ai 2A égale à 2 sur 2 A, C, sin, bêta. Et donc, je peux simplifier les deux. Et je me retrouve aux deux, non plus au dénominateur, mais au numérateur de l'autre côté. Ce n'est pas magique, simplement, j'ai appliqué la multiplication à gauche et à droite. Si je regarde maintenant ma formule, je sais, je cherche A. Actuellement, A est encore multiplié fois ce terme-là, C fois sin bêta.
Si je vais à toute seule, il faut me débarrasser de ce terme. Et donc, ce qu'il faut faire, il faudra diviser par ces signes bêta à gauche et à droite. Donc, si je divise, en fait, par ces signes bêta à gauche et à droite, ici, je peux simplifier et je me retrouve ces signes bêta au dénominateur de l'autre côté. À ce point-là, je vois, en fait, que j'ai 2A sur ces signes bêta égale à A. Et donc, A, mon inconnu, est toute seule. J'ai terminé la transformation. Pour conjonction, j'ai pris A à gauche, 2A sur C, sin bêta. Et j'ai terminé, en fait, ma transformation. La convention veut que j'écris 2A. Donc, quand j'ai un produit d'un chiffre et d'une lettre, j'écris d'abord... Vous arrivez à voir? Ouais. Donc, j'écris d'abord les chiffres et après la lettre. Ça serait correct aussi, A2 sur C sin bêta est correct à niveau des mathématiques. Et en fait, on a pris la convention d'écrire d'abord la chiffre, ensuite la lettre. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Ok? Ça va pour tous? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Donc, il n'y a rien de magique. Il faut vraiment imaginer d'appliquer la même opération à gauche et à droite. Alors, on peut passer à la suivante alors. On a R2 égale à R1, je l'écris grand. R2 égale à R1 qui multiplie 1 plus alpha fois delta theta. Et on vous demande R1. Donc si on regarde comme ça, donc je vais écrire, tirer la barre verticale, j'écris R1, je cherche R1. Donc actuellement, qui a une idée qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Raoul, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Diviser la parenthèse. Diviser à gauche et droite par? En plus, A, fois, delta. Delta, delta, exact. Pourquoi? Notre objectif, c'est bien Raoul, merci. En fait, notre objectif, c'est d'avoir R1 toute seule. Actuellement, il est multiplié par ce terme. Et si on veut se débarrasser de ce terme, il faut diviser à gauche et à droite par ce terme. Comme ça, j'aurai en bas 1 plus alpha delta theta, dans ce cas-là, c'est une parenthèse, et ici aussi 1 plus alpha delta theta. Ici, je simplifie, parce que je retrouve en bas et en haut de la fraction, et donc je me retrouve R2 sur 1 plus alpha delta theta égale R1. J'ai fini de transformer la formule. Pour convention, je l'écris à gauche, donc R1 égale à R2 sur 1 plus alpha delta theta. Mon objectif, c'est d'avoir mon inconnu tout seul. Et là, j'ai réussi mon objectif. Mais je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir tout seul? Ok? On continue. Est-ce que ça va pour tous? Oui, ça va. Parce que parfois, dans les corrigés, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui a séparé ce qu'il y avait dans la parenthèse. En fait, c'est pas ça l'objectif. Il faut toujours se poser la question, comment avoir votre inconnu tout seul. Donc là, alors maintenant, il y en a un qui, en fait, qui a fait beaucoup de difficultés à tout le monde. Donc, si vous savez, C au carré égale à A au carré plus B au carré. Okay? Et on cherche C. Okay? Donc, on cherche C qui apparaît ici, mais au carré. Donc, on a la question, en fait, il y a même, c'est qui, c'est Colin qui m'a dit, en fait, c'est difficile quand il y a la puissance, en fait, on en doute. C'est vrai qu'on les voit, en fait, on cherche C, et dans la formule apparaît C au carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Nous, on cherche C, okay? On veut trouver seulement C. Quel est le lien entre C au carré et C, en fait? Pour avoir C, il faudra appliquer à C au carré une puissance. Parce que si on fait la racine de C au carré, on a étudié les racines. La racine de C au carré égale à C. C'est juste? Ouais. Ouais. Donc, j'ai C au carré. Pour avoir C, il faut que j'applique la racine. Mais pour respecter l'identité, je dois appliquer la racine aussi à tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite.
Donc, en fait, je dois faire ça. J'ai actuellement, j'ai C au carré. Je cherche C. Donc, l'opération que je vais appliquer, c'est d'appliquer la racine. Et afin de garder l'égalité, j'applique la racine à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Quand je fais la racine de C au carré, on trouve C, parce qu'on a vu ça avec les racines. Et après, ici, j'ai la racine de A au carré plus B au carré. Et là, en fait, j'arrête. En fait, là, j'arrête ma transformation. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé ici. Vous avez écrit, en fait, égal à A au carré plus B au carré, la racine de B au carré, donc égal à A plus B. Mais ça, c'est pas vrai. Attention, on l'a vu déjà quand on a travaillé avec les racines. Si vous avez la racine de 9 plus 4, c'est égal à la racine de 13, mais c'est pas égal à la racine de 9 plus la racine de 4. On l'a vu quand on a traité les racines, et tout ce qu'on a vu en précédence, on ne peut pas l'oublier. Donc, si on arrive dans cette situation, on ne peut pas dire alors c'est égal à la racine de A au carré plus la racine de B au carré. Parce qu'on applique l'opération à tout ce qui est à gauche, donc C au carré, et tout ce qui est à droite, donc tout ça. Et une fois qu'on a la racine de A au carré plus B au carré, on ne peut pas remplacer par deux racines. Si vous essayez, en fait, la racine de 9 plus 4, ça donne la racine de 13, qui est environ 3,6, et donc qui n'est pas la racine de 9 plus la racine de 4, qui serait 3 plus 2 égale à 5. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas faire ça. Donc, résistez à la tentation de faire cela parce que c'est faux. Le bon réflexe ici, c'est de se dire, j'applique la racine à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Et donc ici, je me retrouve C. Et là, je me retrouve la racine de A au carré plus B au carré. Et là, je m'arrête. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personnellement, j'ai rien compris. Ok, alors on va le faire. Rien compris de cette transformation ou de celle-là? Non, de tout. Ouais. Vous voyez, en fait, non, mais c'est important, mais là, en fait, on est là pour ça. Donc, en général, en fait, quand vous avez une formule, vous êtes en train de dire que pour être. Dites-moi une formule que vous utilisez dans votre vie. L'aire d'un rectangle, par exemple. Ouais. Comment c'est l'aire d'un rectangle? La base fois hauteur. Base fois hauteur, ok. Donc, ça veut dire que si vous connaissez la base et la hauteur de votre rectangle, vous pouvez calculer l'aire, c'est juste? Ouais. Donc, on est en train de dire que ces valeurs base, hauteur et aire sont liées. Mm-hmm. Ok. Et donc, on pourrait aussi vous dire, dans un exercice, on pourrait vous donner l'air et vous donner la base et vous demander de trouver la hauteur. Ouais. Vu que ces trois valeurs sont liées, ça veut dire que n'importe lesquelles, si vous connaissez deux, vous pouvez toujours trouver le troisième. Mm-hmm. Donc là, on pourrait dire, on veut transformer la formule pour trouver H. Ok, c'est ça l'idée. Donc là, c'est une formule que vous utilisez, c'est pratique. Alors là, si on cherche H, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je propose de réfléchir dans ce sens-là. C'est poser la question, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour avoir H tout seul? Actuellement, H est multiplié fois la base. Si je veux avoir H tout seul, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser à gauche, à droite par la base. Pourquoi? Parce que comme ça, si je divise par B, en fait, vous voyez, j'ai la base au numérateur et au dénominateur, et donc je peux simplifier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai A sur B, et ici, j'ai H tout seul. Okay. Et donc là, c'est écrit à droite, la convention veut que je l'écris à gauche, H égale à A sur B. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai transformé la formule.
Donc, c'est toujours la même formule, c'est la formule qui part de l'air d'un rectangle. Mais en fait, cette formule me dit que air, base et hauteur pour un rectangle sont liés. Ce n'est pas l'hasard qui les domine, mais ils sont liés par une relation qui a l'air comme ça, A égale à B fois H. Donc, si vous connaissez BH, on trouve A, mais qu'est-ce qui se passe si on cherche H et on connaît A et B? On veut transformer la formule. Quel est l'objectif? Arriver avec votre inconnu, donc dans ce cas-là, H, tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Essayez de faire, trouver les opérations qui permettent d'avoir H tout seul. Et il faut, je fais ces symboles-là pour dire que j'applique ces opérations à gauche et à droite au même temps. Parce que si je n'applique pas ces opérations au même temps, l'égalité n'est plus respectée. Et donc, en fait, je suis en train d'inventer une nouvelle relation sans aucun sens. Donc, ça, c'est à la base. Donc là, est-ce que maintenant, là, vous voyez pour les rectangles? Ouais. Alors, voilà. Donc là, maintenant, c'est l'aire du rectangle. On la connaît bien. Là, demain, en fait, vous avez une formule comme ça. En fait, c'est le théorème de Pythagore. Si vous savez que A, B, C sont liés, en fait, par cette formule, là, si vous connaissez A et B, vous trouvez C. Qu'est-ce qui se passe si on vous demande... Alors, donc là, en fait, on vous demande de trouver C, qui actuellement apparaît avec les carrés. OK? Donc là, on a, si on utilise A et B ici, on trouve C au carré. Comment trouver C? Il faudra appliquer, en fait, la puissance à gauche, tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Est-ce que le signe égal est encore valable? Oui, parce que j'applique la puissance à gauche et à droite. Mais la racine de C au carré, donc c'est égal à C, j'ai mon inconnu tout seul, égale à la racine de A au carré plus B au carré. Mais ça, cet exercice vous montre en fait qu'on applique l'opération à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. OK, Lola? OK. Attention, mais c'est difficile, je sais. Hein? Donc là, par exemple, vous avez une autre formule. Maintenant, après, je vous laisse un moment pour les faire aussi vous. Donc là, on a la formule A égale à A plus B divisé fois 2 fois H. Et en fait, ça ressemble, c'est quoi? C'est l'air d'un trapèze, en fait. Base mineure plus base majeure fois la hauteur divisée par 2. Mais dans ces cas-là, vous connaissez l'air, vous connaissez A et B, mais vous cherchez H. OK? Donc, comment on peut faire la même chose, arriver à une autre écriture de cette formule, encore correcte, mais où on a H tout seul d'un côté. C'est pour ça que je l'écris ici. Donc, je vous laisse un moment pour le faire. On essaye tous de le faire. Mais attention, une chose importante. Quand vous avez une écriture comme ça, en fait, ce qui apparaît au numérateur, même s'il n'y a pas la parenthèse, il faut le voir comme un bloc. Quand vous avez des numérateurs, des fractions, en fait, il faut imaginer que ça, c'est vraiment un bloc. OK? Donc je vais essayer de transformer cette formule. On prend 2 minutes, en fait, essayer de la transformer.
Vous avez pu faire? Oui. Oui? Oui. On est tous là? Oui. Oui? Oui. Ok. Alors, donc Alice, quelle est la première opération que vous faites? J'ai divisé à droite par... Enfin, j'ai multiplié à droite par deux. Donc, Alice dit, vu qu'actuellement mon inconnu est divisé par deux, pour la libérer de ça, je vais multiplier à gauche et à droite fois deux. Donc, j'écris ici l'opération et je l'applique à gauche et à droite. Donc, ça donne 2A égale à 2A plus B fois H divisé par 2. Et donc, d'un coup, vous voyez, on peut simplifier les deux. Et donc, actuellement, H n'a plus ce facteur 2 avec lui. OK, donc bien, on a 2A égale à A plus B fois H. OK? Donc maintenant, Tristan, si on cherche H, qu'est-ce qu'il faudra faire? Faire moins A et B. Faut faire? Moins A et B. Vous voyez, si je fais moins A et B, moins comment? Enlever. Hmm? Enlever. Oui, moins 1 et comment vous proposez? A plus B, la parenthèse. Ouais. Moins A plus B. Si vous faites, voyez, si vous faites ça, vous faites moins A plus B ici et moins A plus B ici. Est-ce que ça part? Je ne sais pas, je pense oui, non? Oui. Parce qu'en fait, vous voyez, en fait, de ce côté, vous savez, 2A moins A plus B égale à A plus B fois H moins A plus B. Est-ce que ça part? Ah, on divise, on divise. On divise, exact. Donc là, en fait, ce qui est inverse, ce n'est pas une bonne idée, en fait. On a tous des réflexes, en fait. Mais en fait, parfois, ils ne sont pas les bons réflexes. Donc là, en fait, on ne peut pas travailler par réflexe, il faut vraiment réfléchir. Okay? Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire avec la méthode d'écrire à côté, parce que cela permet en fait de bien voir ce qu'on est en train de faire. Parfois, on a l'impression que c'est un tour de magie, on bouleverse la formule. En fait, non, c'est vraiment des mathématiques, vraiment, il faut être rigoureux. Donc là, en fait, ça, ce n'était pas une bonne idée. Si on fait la soustraction, en fait, il n'y a rien qui part. Au contraire, on va ajouter des termes, ça complexifie pour rien. Donc, Tristan, à ce point-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser A plus B. Pour cette parenthèse, parfait. Est-ce que tout le monde a pu voir, en fait? Parfois, on a des réflexes, mais en fait, il faut vraiment contrôler les réflexes et penser à ce qui nous permet de transformer la formule. Parce que maintenant, si je divise par ces parenthèses A plus B à gauche à droite, je retrouve cette parenthèse et non en bas de la fraction. Et donc, je peux simplifier. Et donc, j'ai H tout seul. En fait, j'ai fini ma transformation. Il suffit seulement pour convention d'écrire H à gauche. Donc, 2A divisé par A plus B. Il n'y avait pas la parenthèse, mais il faut l'avoir. Le numérateur, en fait, c'est toujours comme un bloc, en fait. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas facile. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas facile. Mais, en fait, c'est rien non plus de donner, mais c'est le moment maintenant pour le comprendre. Parce qu'après, dans votre scolarité, personne n'aura plus le temps. Il y aura des programmes à suivre. Et aucun autre prof aura le temps pour vous donner du temps pour apprendre ça. Donc, le temps pour apprendre ça, c'est maintenant. L'hasard a voulu que ça arrive, qu'on est à distance, mais ça n'empêche, en fait, il faut vraiment, je suis là, donc quand il y a des devoirs, envoyez-moi et après je vous rends les corrections. L'important, c'est vraiment d'utiliser le temps, en fait, pour comprendre ce qu'on est en train de faire et de l'appliquer. Parce qu'après, vous aurez besoin de ça dans plusieurs domaines, c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Comme tout le reste, en fait, qu'on est en train de faire. Hein. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui a un côté vraiment pratique et souvent les gens font, mais en fait il suit des réflexes mais en fait qui s'avèrent pas corrects. La question à se poser c'est toujours comment arriver à avoir mon inconnu tout seul. Est-ce que Lola vous voyez ce qu'on est en train de faire maintenant? Ouais.
Mais c'est difficile, hein? Je suis d'accord. Mais c'est pour ça en fait, qu'il faut faire beaucoup d'exercices et avoir un corrigé en fait, à côté. En fait. Être, donc, voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui c'est juste. Donc, pour ceux qui m'ont donné les devoirs, donc là, j'ai mis seulement si c'était juste ou faux. Et après, je vous donnerai aussi les corrigés. Mais là, c'est important de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des questions aussi des autres? Non, on peut faire aussi celle-là. Donc, on a S égale à A fois T au carré divisé par 2. C'est notre formule. Et on cherche T. Ok? Est-ce qu'on se donne 2 minutes pour essayer de la transformer? Vous essayez? Essayez d'utiliser la méthode, comme ça c'est clair les passages que vous faites. On peut corriger ensemble. On essaie. Donc, on a cette formule-là, vous la voyez. Et Lucas, quelle est la première opération que vous proposez? J'ai fait fois 2. Fois 2. Très bien. Vous voyez pourquoi? Actuellement, c'est bien. Hein? Ouais. Actuellement, T est divisé par 2. Pour l'avoir toute seule, je multiplie à gauche et à droite fois 2. Comme ça, j'ai 2S fois 2AT au carré. Donc, les deux ici, ça part. C'est parfait, Lucas. Donc, on a 2S égale à AT au carré. Est-ce que tout le monde a fait fois 2? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas fait fois 2? On peut aussi changer, avoir un chemin différent et faire suivre un autre ordre. Hein? Donc, il y a aussi plusieurs solutions. L'important, c'est de faire toujours, par contre, la même opération à gauche et à droite. Donc, Arnaud, maintenant, si on cherche T, qu'est-ce que vous avez fait? Arnaud, vous êtes là? Je vous vois. Attends, il n'y a pas le micro. Oui, c'est bon. C'est alors, oui, bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous faites après? On divise par A. On divise par A à gauche à droite. Okay. Comme ça, cela me permet de simplifier A. Est-ce que les autres aussi ont fait comme ça? Oui. Donc, je suis à 2S sur A égale à T au carré. Mais je cherche T. Donc, Chantal, comment on peut faire maintenant? On fait la racine carrée? Oui, exact. On applique la racine à tout ce qui est à gauche, donc même les dénominateurs, et tout ce qui est à droite. Et donc ici, en fait, donc on a la racine de 2s sur a égale à la racine de t au carré, en fait, c'est t. J'ai transformé ma formule. T égale à la racine de 2s sur a.
voyez, je fais tous les passages un après l'autre. Et je fais ça simultanément à gauche, à droite, en utilisant la barre verticale, ça me montre exactement ce que je suis en train de faire. Et j'arrive droit à mon objectif, avoir mon inconnu toute seule d'un côté. Est-ce que tout le monde avait fait comme ça? Oui. Lola, tu es arrivée là? Ouais. Oui. Oui? Ok. Donc c'est dur, hein? Je sais, c'est pas évident, mais il faut l'apprendre maintenant. Elodie, vous étiez là? Oui. Vous arrivez aussi à faire comme ça? Oui, oui, c'est bon. Ok, donc c'est vraiment, je parle un peu à tous. Hein, donc Camille aussi, vous avez fait comme ça? Oui, oui, c'est bon. Mathis, Colin, donc voyez, en fait, c'est vraiment une façon de faire, mais on a besoin, en fait, de savoir le faire. Dernière qu'on fait ensemble. Alors, on a grand M égale à mu. Je dis parfois, il y a des lettres de l'alphabet grec. Donc, vous les reproduisez comme vous mieux vous arrive. En fait, c'est un mu, c'est la mu des micromètres, des microns, en fait. Donc, grand M égale à mu fois F fois R1 moins R2 divisé par 2. Et on cherche F. Donc, quand on a une formule comme ça, premier réflexe, c'est de se dire, c'est que j'ai un numérateur, en fait, je dois le voir comme un bloc. Donc, j'ai R1 moins R2, c'est un bloc, donc je peux mettre des parenthèses même si elles ne sont pas là. Mais pour moi, en fait, c'est un bloc. Ok, est-ce que c'est clair pour tous? C'est les réflexes à avoir. Ok, donc là, en fait, quand on a une fraction, en fait, il faut voir le numérateur ou bien le dénominateur, en fait, comme un bloc. Et là, on cherche F. Donc, Mathis, si on cherche F, qu'est-ce que vous proposez de faire en premier? Pour trouver le M. F, on cherche F. Ah, il faut le mettre de l'autre côté en le divisant. Divisant. On voudrait le mettre du côté du M, non? Pour que ce soit plus facile ensuite. Et comment vous proposez de ça? En le divisant. En faisant le diviser par F. Alors là, si je divise, voyez, si je divise par F, donc ici ça part, mais je le retrouve au dénominateur, en fait, là. C'est pas non plus faux, après ça allonge un peu. Alors, c'est pas faux à la base, hein, mais en fait, est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou pas, en fait, c'est ça la question. Parce qu'en fait... On peut en déplacer le bloc R1 moins R2 divisé par 2. Ouais, comment on peut faire pour les déplacer? Donc on fait fois 2. Donc, on fait x2. OK? Donc, vu qu'actuellement f est divisé par 2, je multiplie x2. Est-ce que ça va pour tous? Donc, ça fait mu f r1 moins r2. OK? Ça va? Je commençais par multiplier x2, comme ça, je n'ai plus le dénominateur 2. Elodie, maintenant, si je cherche grand F, qu'est-ce que je dois faire? Divisé par entre parenthèses R1 moins R2. Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, on a un dénominateur R1 moins R2. On peut mettre la parenthèse même ici. R1 moins R2. Donc, cette partie-là va se simplifier. Donc, on a 2M sur R1 moins R2 égale à mu fois F. Bien. Donc, maintenant, on cherche encore F. Donc, Colin, qu'est-ce qu'on fait? On peut diviser par mu aussi. Oui, on divise par mu. L'objectif, c'est d'avoir F tout seul. Quand je divise par mu, là, il y a eu beaucoup de monde qui a eu des soucis. Donc, comment on fait pour diviser par mu? Colin, il va où mu? Je pense que ça aurait été mieux de diviser mu avec le bloc. Donc, c'est... je vais le mettre ici. Donc, oui. Alors, 2m sur mu r1 moins r2. Comme ça? Oui. Donc, Colin dit, Colin aurait fait dans un seul passage. Mu, il aurait divisé par mu r1 moins r2, c'est ça? Oui.
Ok, en fait, voyez, en fait, il y a une certaine liberté, hein, il y a plusieurs passages. D'un côté, c'est bien si on voit, on peut faire directement. C'est pas faux non plus de dire, je fais un passage à la fois. Donc, si on fait tout d'un bloc, en fait, ça donne comme ça à Colin. Si on suit comme a fait, donc c'était Elodie, c'est juste ici. Mais attention maintenant, quand vous divisez par mu ici, c'est pas un autre dénominateur que vous mettez. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont mis à rajouter un deuxième dénominateur. Mais en fait, quand on divise par mu ici et là, en fait, on écrit en fait divisé par mu ici et là, en fait. Mais c'est encore un seul niveau de dénominateur, en fait. Donc là, il permet de partir et là, on les retrouve ici. Je répète. Parce que là, il y a eu beaucoup d'erreurs, en fait. Vous les, que non, vous vont reconnaître, en fait, ça. Donc, on est dans la situation où on a 2m sur R1 moins R2 égale à mu fois f. On veut diviser par mu. Et il y a beaucoup de monde qui dit on va mettre un autre dénominateur et on divise par mu. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Quand vous mettez un double dénominateur comme ça, en fait, vous êtes en train de multiplier fois mu. Donc, ce n'est pas le bon réflexe. Ce n'est pas le bon réflexe comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a 2m divisé par R1 moins R2 égale à mu fois f. On cherche f, je dois diviser à gauche et à droite fois mu. Donc, mu, en fait, va au dénominateur de ce qui est à gauche. Et au dénominateur de ce qui est à droite, ici, ça part et j'ai f tout seul. Mais mu, en fait, c'est au même niveau que l'autre dénominateur. Ajouter un double dénominateur, en fait, ça veut dire en fait, que vous êtes en train de multiplier. Donc, ce n'est pas vrai, en fait. Donc, là, vous divisez, ça va au dénominateur. Et donc, f égale à 2m divisé par mu fois r1 moins r2. Cet exercice-là nous apprend déjà que la chiffre va avant. Ça nous apprend de voir les numérateurs comme un bloc. Et en fait, que si on divise une deuxième fois, en fait, ça va dans le même dénominateur. On ne va pas rajouter un deuxième dénominateur parce que ce n'est pas correct. Ok? Est-ce que ça va pour tous, en fait? Impeccable pour moi. Alors, je répète, c'est difficile. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Et surtout, la chose qu'il ne faut pas en fait, céder, c'est dans l'idée que c'est quelque chose de magique, qu'on doit voir, en fait, avoir des pouvoirs magiques, des visions. Pour moi, déjà, c'est pas, je n'ai aucune vision par rapport à la transformation des formules, mais je sais quelles sont les règles. J'applique la même opération à gauche et à droite, toujours. Et comme ça, je suis sûre que l'égalité est respectée. Quelle opération choisir? Il faut choisir l'opération qui me permet de libérer, en fait, mon inconnu, de l'avoir toute seule. Donc, à chaque passage, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir mon inconnu toute seule? En fait, c'est toute une série de passages comme ça, où on regarde la formule et on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir mon inconnu toute seule? Après, chacun peut aller plus ou moins vite, en fait, faire plus ou moins ensemble, mais on doit toujours respecter ces deux règles. L'égalité reste toujours la même. Et en fait, toujours faire l'opération qui me permet de libérer, en fait, avoir isolé, avoir tout seul, en fait, à la fin, mon inconnu. OK? Alors, donc, j'attends aussi encore les devoirs, en fait. Donc, pour aujourd'hui, il y avait les 6.3 et les 6.4. Donc, j'attends encore ce devoir-là, en fait, et après, on essaie de faire les 6.5 pour jeudi, en fait. Vous m'envoyez pour jeudi matin? Tout? Alors, celle-là, en fait, c'était déjà pour hier, pour ce matin. Donc, si vous l'envoyez encore ce matin ou tout jeudi, mais que tout le monde aille faire les 3 pour jeudi? Ouais. OK? Après, jeudi, je donne les corrigés. Donc, les autres, en fait, ceux qui ont déjà reçu les corrigés vrais ou faux, il peut se poser des questions comment corriger. Après, jeudi, je donne les corrigés de tout. On va, jeudi, on corrige. Je corrige, en fait, les nouveaux de 6.5 et après, je donne les corrigés de 6.3 et 6.4. Est-ce que ça joue pour tous? Jeudi matin, par contre, de toute façon, avant 10h. OK. Comme ça, j'ai le temps de regarder même avant
Ouais, je regarde un peu. Après, je ne sais pas si on fait... Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez, si, si c'est mieux de faire live des corrections comme ça ou des vidéos qui expliquent pas à pas. Peut-être si vous me donnez aussi un avis aussi en WhatsApp, en fait, je suis ouverte, en fait, je n'ai jamais enseigné à distance, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est plus utile pour vous. Je suis ouverte à tout, soit à faire des corrections vraiment, je corrige, soit on fait un petit zoom, un petit vidéo et après on se donne le temps pour faire les devoirs. Est-ce que vous avez une idée? Je pense corriger tous ensemble, ça peut être pas mal. Parce que sinon, jeudi, en fait, on peut imaginer donc un moment en fait des vidéos, mais pas les deux périodes, une vidéo en fait où on corrige les 6.5 ensemble, ok? Et après, en fait, on donne du temps pour faire un exercice. Et après, là, chacun fait individuellement et après, vous m'envoyez. On fait comme ça? Non. Est-ce qu'on peut planifier? Donc, on va planifier, en fait, à l'horaire du cours. Donc, c'est à 15h30. Hein? Je vais vous écrire aussi, mais comme ça, on a une idée. On fait une vidéo comme ça, on corrige ensemble. Et après, je vous laisse du temps pour faire un exercice. On fait comme ça? Okay. Après, si ça va pas, en fait, on rechange pour les semaines d'après. On essaye, c'est tout nouveau. On a l'espace pour explorer. En tout cas, je reste à disposition. Donc, même pour ceux qui ont fait les devoirs, au fur et à mesure que je les reçois, en fait, je vais vous donner. En fait, pour ces deux-là, je vous donne du vrai ou faux. L'autre, en fait, je vais les corriger un peu. Comme ça, ça vous laisse réfléchir. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire en privé. Je suis là, je suis disponible. Ok? Ok. Alors, merci à tous de cet effort, de cette innovation qu'on vous demande. Et passez une bonne semaine. Merci, pareil. Alors, merci, bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.